Grazie, così possiamo cominciare a lavorare. La décision était une décision temporaire. Et qu'avec le président de la République, avec le Premier ministre, notre intention restait la même. Bâtir avec l'Italie un grand champion industriel européen dans le domaine naval, civil et militaire. Mais l'Italie cela reste notre objectif. L'accord doit être global. Nous nous donnons le temps de négocier un bon accord solide, durable, entre la France et l'Italie sur les chantiers navals. Et nous nous donnons la possibilité, je crois que c'est le plus important, de bâtir ensemble une coopération industrielle dans le secteur civil comme dans le secteur militaire, entre la France et l'Italie, avec un objectif stratégique, construire l'Airbus naval entre la France et l'Italie, c'est-à-dire le premier champion industriel dans le domaine naval au monde. C'est normal que ça prenne un petit peu de temps. Combien de temps ça... Cioè che non è possibile accettare una ripartizione 50-50, 50-50 rimane, e su questo noi rimarremo fermi. Detto questo, è stato stabilito che ci sarà tempo da qui fino al 27 settembre, cioè al momento del vertice italo-francese a cui parteciperanno il Presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica Francese, ci sarà tempo per valutare la possibilità di colmare queste differenze.